Bonsoir tout le monde. Yon plaisir yon l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci de ce que vous choisissez VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est mardi 1er octobre 2024. C'est deuxième sortie nous pour semaine. Premier sortie nous pour mois d'octobre. Nous pensons que Jacqueline Belizère, quelqu'un grand point, qui a dominé l'actualité. Actualité internationale, Iran lance une attaque massive avec missiles sur la ville Jérusalem en Israël. Déjà gain en pile réaction, notamment Washington. Actualité électorale aux États-Unis, premier débat entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance, l'a déroulé à Soya dans New York sous chaîne télévision CBS. États-Unis, opération secours dans plusieurs côtés après passage cyclone Helene qui prend la vie plus passé 130 chrétiens vivants. Et puis en Haïti, plusieurs réactions après renouvellement mandat mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, MMAS. Mesdames, Messieurs, bonsoir yon l'autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité à gros nouvelles là. C'est attaque ak missile Iran lancé contre sous ville Jérusalem dans le pays Israël. Déjà, gen en pile réaction parmi yon réaction qui sorti Washington ak réaction qui sorti dans la Maison Blanche, dans le département d'État, dans le Pentagone, en parlant de département défense là. Nous gen gentil Augustin Junior qui gen détail. Nouvelle yo rapporté, Iran lance yon attaque ak plis passe 200 missiles balistiques sous Israël jodi mardi 1er octobre 2024 la. D'après garde révolutionnaire yo, attaque missile Iran sous Israël, c'est yon réponse ak assassinat leader Hamas yo ak leader Hezbollah yo. L'ité dit nan yon note pour la presse d'après AFP. En réponse ak la mort Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah ak Abbas Nilforoufchan, chef adjoint Gadio, nous te visé 100 territoires Israël occupé yo. Garde révolutionnaire yo, idéologie l'armée Iran menace tout. Yon attaque écrasant si Israël répond attaque missile yo. Yon officiel américain qui pas d'accord non licité te déjà averti conséquence grave attaque Iran sa ka genyen et li te dit États-Unis si porte activement préparation qui visait pour défendre Israël. Nan yon texte sur Waters, président américain Joe Biden dit les États-Unis paré pour aider Israël défendre tête li contre attaque missile iranien yo. Biden écrit sur réseau social X, nous te discuté sous façon États-Unis préparé pour aider Israël défendre tête li contre attaque sa yo et puis protéger personnel américain dans région an. Alors que l'armée Israël l'a annoncé jeudi mardi à tout, troupes cap opérer sous terrain yo traverser frontière ya pour combattre Hezbollah dans Tibouk yo dans sud Liban. Malgré appel international yo pour la guerre ya pas élargi dans région an. Porte-parole l'armée Israël, Daniel Agari dit, l'armée Israël paré pour défendre, attaquer. Iranien dans Téhéran balancé drapeau libanais pendant y'a célébré attaque missile Iran sous Israël. L'armée israélienne yon fait konnen, li bay lumière verte et li déclaré Israélien yo libre pour yo quitter abri yo. Porte-parole militaire Israël là, Daniel Agari dit, militaire yo pas au courant gagné blessé dans attaque missile iranien yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Nous parlons qu'on y a dans New York. New York a recevoir premier débat entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance. Eh bien, l'a déroulé à soir dans New York sous chaîne télévision CBS. Nous gagnons sous place dans New York Valério Saint-Louis. Valério, qui sont ouais, qui sont attendez, qui j'en ambiance là? Bonsoir Jacqueline, en effet, et qui veut accueillir dans New York, là nous campons justement devant studio Channel Télévision, ça qui est le CBS News, côté que c'est là que débat vice-président pour le fait. Eh bien, ambiance là, c'est une ambiance presque préélectorale, ou ambiance côté que à ma droite, et sous votre droite, moi là, au Pataka, ouais ça, eh bien, il y a un pile de monde qui commence à se réunir, il y a un bus à 20 qui fait la navette, fait va et vient déposer moun, et sous votre droite, nous avons des monde qui ont maillot bleu sous eux, donc c'est monde qui est évidemment partisan et démocrate. Sous votre gauche, même, il y a deux trois monde qui commence
ça réunit tout, puisque c'est un petit peu ambiance en ça, côté que deux parties, y a manifesté, y viennent avec pancarte dans main pour supporter et campagne. On a rappelé encore une fois jeudi à ces débats vice-présidentiels là qui a proposé eh ben sénateur État Ohio qui dit même c'est J.D. Vance qui évidemment républicain face à face qu'a fait face à gouverneur État Minnesota, lui même c'est Tim Walz qui républicain. Qui démocrate. Donc nous connaissons que c'est ambiance ça, démocrate, républicain, et c'est un débat vice-présidentiel. Donc pour nous, peut-être des coups plus ambiance ça, c'est monde qui a fait va-et-vient, pancarte dans mayo, mayo sous yo, il y a venu supporter candidat pa yo, parti pa yo. Faut nous dire que c'est premier et c'est seul débat entre deux vice-présidents. Alors, ça qui est même nominé pour vice-président dans la campagne ça, qui a fait jeudi à dans la cour New York, une ambiance qui vraiment, d'après dire encore, son ambiance préélectorale. De temps en temps, nous avons machine qui a passé, qui a klaxonné, bus, gros autobus même, qui a déposé moun, moun a rassemblé dans le moment là, devant là, et ben nous avons des moun qui déjà campé, ils sont il y a pe, filmé, il y a fait photo, il y a pe brandi pancarte pour faire valoir position par yo pour parti qui a supporté à Jacqueline. Valérie, brièvement, qui genre couverture médiatique là, Elisabeth? Couverture médiatique là, nous a dit que médias sont très présents. En face, moi, nous dit plutôt, gain une quantité de médias qui établit tête. Ils mettaient tantio et ils gagnent sur caméra. Évidemment, ils font un mini studio déjà établi. Nous-mêmes, nous campé en face et studio CBS News là, derrière dans ces buildings là. Mais à côté et peut-être même nous a dit des caméras, justement caméras, mon gars, tu dois ensemble avec moi. Nous presque by face à station télévision qui ont même campé et nous a déjà ont quand même 8 à 9 stations télévision, studio mobile qui établit. Okay. En dedans CBS News, tout font nous dire, il y a des reporters qui ont même tout à regarder, à faire reportage. Donc, médias sont très présents. Il y a différents mondes qui ont fait reportage, qui ont fait va-et-vient, parler ensemble avec nous. Nous-mêmes, tout nous parler avec deux, trois mondes qui ont fait qu'on est pour qui est-ce qui est venu supporter là dans le moment. Donc, médias sont très présents, Jacqueline, je dis. Et Valérie, pour nous finir brièvement, dis-nous qui genre et principe débat et à soi, qui Jean, qui le monde a la parole, qui Jean l'a fait. Est-ce que c'est même Jean avec dernier débat qui t'est fait entre candidat à la présidentielle? À peu près même genre, mais débat vice-présidentiel, il y a peut-être des particularités. Il faut nous dire que son débat qui a commencé à soir à 9h du soir sur Channel Télévision CBS News. Et son débat qui a duré 90 minutes. Chaque candidat vice-président, lui-même, il y a bien 2 minutes pour répondre aux questions qu'il a posées. Il y a bien 1 minute si vous voulez rebondir, c'est-à-dire si vous voulez réagir à un bail qui n'est pas d'accord. Et il faut nous dire que ça qui est intéressant dans le débat, ça, à soir, c'est modérateur, ou plutôt, on nous dit modératrice, c'est deux femmes qui ont modéré le débat, ça. Il faut qu'on ait que c'est Nara O'Donnell qui lui-même c'est présentatrice émission CBS Evening News avec Margaret Brennan qui lui-même c'est présentatrice émission CKV Face the Nation. Deux femmes à modérer débat. Au débat, on n'a pas plus encore côté que candidat vice-président, il n'y a pas de droit à venir avec ni téléphone dans main, ni note dans main, pour être capable de faire débat ça. Donc, un débat très intéressant. Et puis, rapidement, il faut me dire que les gens qui ont un pariage là pour être capable de parler en deuxième, c'est-à-dire au dernier moment dans le débat ça, eh bien, c'est J.D. Vance qui lui-même a parlé, qui a bien pour faire dernier la parole dans le débat ça à Souéala. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis, c'est envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion du débat historique. Ça, n'a pas pour nous quitter Washington et n'a pas rejoindre Jean-Robert Philippe lui-même qui gagne un pile monde qui a passé Jean-Robert prévoit Jean débat ça pour le dérouler à Souéala et surtout après attaque Iran sur fait là sur Israël. Qui sont gagnés ou même comme grand thème pour débat à soi à Jean-Aubert? Effectivement, Jacqueline Jondiab, c'est très probable que dans la préparation candidat qu'on a fait pour unir débat ça, il n'y a pas de prévoir là-dedans, il n'y a pas de gagner attaque Iran. Et Iran n'a pas attaqué Israël. Donc, très certainement, modérateur est obligé de faire une révision rapidement sur la question que vous avez proposée. Et très certainement, la question ça va prendre là-dedans parce que il est important pour deux candidats tout pour avoir une position, eux-mêmes, si soit l'administration, on va faire ça, qui j'ai eux-mêmes à réagir. Et Nabdou Toujakin, son débat qui est aussi important, c'est une chance que deux candidats ont gagné, mais il est important tout. Ça dépend de performance chaque candidat et qui est capable aider, convaincre électeurs indécis, si tu es dans l'État indécis, il y a environ 7, et bien, aider l'État Sayo, aider l'électeur Sayo, prendre une bonne décision, mais tout dépend de comment l'électeur Sayo, comment que et candidat Sayo pour poste vice-président, et bien, performance dans le débat à soi, qui est aussi important ni pour démocrates, ni pour républicains.
Tim Walz avec J.D. Vance a participé dans seul grand débat pour poste vice-président élection 5 novembre. Vance, un sénateur de l'État, s'est collisté Donald Trump pour parti républicain. C'est une opportunité pour moi de dire aux Américains comment je pense que les Américains capables de faire leur vie meilleure, façon nous capables de rendre la vie meilleure, à façon politique Donald Trump là capable faire plus riche pour capable gagner plus la paix dans le monde là, sécuriser frontières sud États-Unis partagé avec Mexique et pour capable remporter l'élection. Tim Walz, beaucoup de parle, gouverneur d'État Minnesota, colistier Kamala Harris déclaré, démocratie a marché à classe travail américain, contrairement avec rival républicain. Même j'ai avec population normale là, moins grandi dans son pays. J.D. Vance étudié dans Yale University, c'est milliardaire Silicon Valley qui finançait carrière avant d'être écrit un livre qui jetait dans fatra et communauté ça. C'est par contre ça, classe moyenne qu'on fonctionne. Moi, doué dit non, moi, pas capable de temps pour me faire débat avec Yval Moyen. Vince s'est critiqué Trump une fois avant ancien président et endossé pour poste sénateur État Ohio. Depuis le ça, Vince supportait approche ou bien slogan Trump les États-Unis d'abord. Je dis à ennemi New York, à pile démocrate et les non-populistes, tant que c'est une insulte. Mais si populiste vous l'avez dit, vous mettez au même côté avec peuple là, au lieu élite puissant, yo, cap éliminer classement et non, et puis la gaine nan yon gaine stupide, eh bien, si c'est comme ça, mettez un bon côté peuple là. Candidat pour poste vice-président parti démocrate là, Tim Walz déclaré, Vance avec Trump vous l'avez dit, céder leadership États-Unis. Les républicains ont habitué à parler de liberté, en pile parmi eux connaît de qui ça a parlé, ils ont pas à parler pour abandonner Alinou, ils ont pas à parler pour la guerre Ukraine pour contre lui. Le président du parti républicain, J.D. Vance, déclaré, Harris a troqué travail américain en faveur immigrants illégaux. Sa Kamala Harris semble le faire. C'est offrir tout bénéfice citoyen américain au bas monde qui pas à même ici là. Débat entre candidat pour poste vice-président, parti démocrate là, Tim Walz, avec le représentant parti républicain, J.D. Vance, a bas électeur, yon idée sous façon, yon maîtrise sujet important dans l'élection 5 novembre nan. Pendant ce temps, électeur dans quelques états, déjà commencé à jeter bulletin. Effectivement, Jacqueline, j'entendais ah, donc débat suscite un pile intérêt et candidat a unique chance de gagner pour convaincre non seulement et supporter parti par eux, mais tout candidat et électeur qui indécis pour capable voter pour une ou bien pour l'autre, là, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, t'es ouais avec nous grand point dans débat à Soya, VOA Créole à ou président démocrate Tim Walz ak républicain J.D. Vance. Rendez-vous 9h, le Washington, le Port-au-Prince, pour une traduction en créole sous VOA Créole. Donc, on va suivre rendez-vous, un programme qui passe chaque jour, sauf lundi pour arriver vendredi. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. On est toujours sous la voie de l'Amérique, ici aux États-Unis toujours, opération secours dans plusieurs côtés après passage cyclone Helene qui prend la vie plus passé 130 chrétiens vivants. Question ça a retenu attention politiciens autour. Marie-Luce Pierre. Vice-président américain et candidat présidentiel démocratique Kamala Harris coupé un voyage campagne qui était pour le faire dans Nevada lundi 30 septembre pour le participer à une conférence à Washington. Sous effort réponse pour cyclone Helene. Moi, j'ai planifié yo doué sous terre plus vite que possible. Mais plus vite que possible, sans yo pas déranger n'importe opération réponse pour urgence. Parce que ça doué plus gros priorité à premier lot business ici là. Helene était responsable en mort plus passé 100 moun dans Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgia, Floride, Tennessee, Virginia, pendant que plusieurs millions moun a fait face à panne courant électrique et en pile route détruit. Conséquence cyclone Helene t'est interrompu tout, campagne rivale présidentielle là, Donald Trump, qui était visité une ville qui était frappée en bas tempête, dans l'état Georgia, champ de bataille là. Caroline du Nord et Georgia, trouvaient au parmi un petit point état, qui pourrait décider course Maison Blanche là, entre Harris et Trump. Donald Trump déclaré, un monde qui était péri, nous n'avons la peine ensemble à coup, et puis nous n'avons la peine pour chaque la vie monde qui perdu tragiquement. Candidat républicain à la présidence, Donald Trump te dit, lundi 30 septembre, il était parlé avec billionnaire Elon Musk pour joindre accès Internet Starlink dans une zone qui est affectée en bas cyclone Helene, qui était fait ravage dans le sud-est États-Unis,
cyclone qui détruit plus passé 100 monde à travers 6 états. Plusieurs centaines de monde toujours été disparaître dans l'ouest état et puis résidents yo a pluté dans mitan route qui inondé avec manque service de base yo. Plus passé 100 calamores morts à travers une demi-douzaine états yo été attribué à gros tempête là qui était frappé dans région Big Bend dans l'état Floride bien tard dans jeudi 26 septembre là avant yo couper un chemin destructif dans Georgia ak nan Caroline. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Et oui, on sou VOA Créole, on a pu mettre depuis Washington DC. Nous content est-ce que ou même ou toujours été branché. N'ap tounen nan VOA Créole a pu mettre depuis Washington DC, actualité en Haïti, conseil présidentiel transition en difficulté à la veille expiration mandat Edgar Leblanc fils 7 octobre cabine là. Conseiller Smith Augustin qui t'a dû remplacer monsieur Leblanc mêlé dans un scandale corruption dans BNC. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Gros vent division a soufflé dans conseil présidentiel transition dans l'approche dans occasion expiration mandat Edgar Leblanc fils dans cadre président sonnant là. N'a souligné selon document qui était paraffé bon côté divers partis qui étaient accouché conseil présidentiel là, c'est conseiller Smith Augustin qui impliqué dans scandale corruption BNC qui t'a dû remplacer Edgar Leblanc fils 7 octobre qui a venu là. Malgré scandale corruption, Smith Augustin pas décidé faire bac dans cadre démarche pour venir présider conseil présidentiel transition. A yel indien, Smith Augustin rencontré parti qui te voyel dans conseil présidentiel transition dans l'idée pour déterminer suite événement yo. Conseil présidentiel transition doit faire face à divers défis tant coup installation membre conseil électoral provisoire, phénomène insécurité sans compter nomination nouveau directeur général yo. Pourtant bataille pour pouvoir qui existait nan mitan présidence conseil là semblait à retarder décision sa yo qui pourtant urgent. Selon information VOA Créole joine bon côté yo membre conseil présidentiel là, gagnent plusieurs scénarios qui à l'étude dans cadre démarche pour ta remplacer Edgar Leblanc dans tête institution ça. Scénario qui plus possible, c'est à ouais Leslie Voltaire prend présidence là dans place Smith Augustin en attendant rapport ULCC sur scandale corruption BNC qui impliquait trois conseillers présidentiels. N'a souligné pendant journée lundi an gagnent yon conseil ministre qui organisé dans objectif pour prendre une série de décisions. C'était l'occasion pour membre conseil présidentiel là exiger à ministre affaires étrangères pour convoquer dans pays à tout de suite ambassadeur haïtien qui accrédité dans l'ONU à Washington pour venir expliquer yo sur ça les confusions qui lié à participation membre CPTA dans 79e assemblée générale des Nations Unies. Membre CPTA reproché à ministre affaires étrangères le fait que li boycotté participation président conseil présidentiel là dans 79e Assemblée générale l'ONU en faveur Premier ministre Gary Conille. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves, réaction continue tomber après renouvellement hier lundi à mandat force multinationale pour soutien sécurité à dans pays d'Haïti pour jusqu'à 2 octobre 2025. Renan Toussaint c'est correspondant dans Port-au-Prince. Dossier qui a rapport avec prolongation mandat mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour jusqu'à 2 octobre 2025 continue à soulever réaction dans mitan certaines personnalités importantes dans la société haïtienne, parmi eux ancien Premier ministre Evans Paul qui dit force étrangère yo pas jamais résoudre problème insécurité à tout bon vrai. Yo fatigué avec nous sur plan international. Pas oublier que nous avons force onusienne. Je dis à nous une force non onusienne, autorisée par les Nations Unies. Pour nous bien comprendre ce que ça veut dire, les Nations Unies ne pas payer pour la force qu'il a. Il n'est pas responsable, mais il est autorisé pour ne pas dire son force qui font invasion sur Haïti. Ça, c'est le jeu diplomatique. Mais la force qu'il a, il n'est pas sous compte des Nations Unies. Et nous passons une bonne force. Il est clair que c'est nous responsables. Malheur nous,
mais force surtout pas aider nous ranger situation. Yon ancien ministre de la Défense nationale qui c'est tout ancien président Sénat haïtien Rodolphe Joasil croit c'est l'armée d'Haïti avec la police qui pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Mais résolution problème sécurité dans le pays li passé par yon police nationale qui équipée, yon police nationale qui motivée. Yon l'armée que nous gagnons actuellement là, nous gagnons un effectif dans l'armée là, et nous gagnons des équipements dans l'armée là, qui capable de permettre que si on engage les forces armées d'Haïti, si on engage la police nationale, pas vrai, pour combattre Gangio, parce que le résultat nous n'est pas plus loin pour nous trouver. Naturellement, les forces étrangères qui sont sur place n'ont toujours besoin. Et support, on a toujours besoin d'expertise, mais le problème est d'abord un problème haïtien. Il faut que le gouvernement mette tout en œuvre pour qu'il permette la police nationale et les forces armées d'Haïti qui seront de toute façon au devant de la scène, arriver à rétablir la sécurité en Haïti. Personnalité ça, yo t'es parlé avec nous dans le forum environ une centaine de structures politiques qui regroupent tête en bas chapeau coalition regroupement politique pour avancement démocratie, parti émergent et allié organisé sous refondation l'État. N'a pas venir avec plus de détails sous démarche ça. Wenan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Wenan Toussaint. Tweet président pays Kenya William Ruto t'est fait sous compte X pour te saluer engagement gouvernement dominicain en support ak MMAS là continue à créer confusion ak protestation nan pays a. En suivant. Sous l'obédience opposition plurielle là, plusieurs citoyens qui mal interprété tout cela manifestaient dans la rue Port-au-Prince pour dire non à déploiement soldats dominicains sur territoire national là. Nous disons non, Dominique n'est pas pour le sol, papa de Saline. Haïti, son pays qui libre. Et je presse match, dédié indépendance à Manoïs Papi. Pour dire, bataille qu'a fait dans l'opposition plurielle là, nous engager, le pays a gagné pour dire, vis sous pouvoir là, c'est pas rien que Dieu. L'idée de consacrer, c'est insécurité là, c'est priorité. Je dis à peuple là, abdomen dans la rue, peuple là. Dans une interview li bay yo media nan capital la, ministre affaires étrangères Dominique Dupuy qui fait lumière sur tweet président pays Kenya, fait qu'on ait accord qui signé entre Kenya et République Dominicaine nan. C'est seulement dans cas évacuation en urgence soldat Kenya yo pour si yo ta besoin soins médicaux. Yon démarche précisé qui pagé rien pour ak déploiement soldat dominicain sous territoire de Saline là. VOA Creole Port-au-Prince. Nous remercions ou même qui branché pour suivre édition rendez-vous ça. Merci d'esco à continuer faire ça donc restez branché. Sous VOA Creole dans rubrique santé a nous pral wè yon système qui est des moun qui gen problème vision garder sport Marie Pierre. Nan moment jouet paralympique yo sot déroulé ané sa côté nan compétition on jou sa plusieurs milliers athlètes té nan compétition pour 22 sports différents en pile moun t'ap gade nan stade la parmi yo gen moun ki té gen problème visuel moun sa yo té ka servi ak yon casque gros technologie pour permettre yo jouer action hein tant que yo moun ki wè bien appareil ça qui rele Deep Vision que la Grande-Bretagne développé c'est un casque qui fait pour permettre moun ki gen problème visuel yo suivre événement yo manipuler image yo wè yo adapter à besoin individuel yo que yo vive devant yo au soir à travers couverture télévision casque haute technologie ça yo t'ai déjà utilisé pour l'autre événement sportif qui gen la donne Jeux Olympiques 2024, yo, par exemple. Mais c'est la première fois que utilisé pour Jeux Paralympiques. Joanna Lindington, chef opération yo dans Give Vision, qui dit à l'agence Nouvelle Reuters, moun qui servi à écouteur a vraiment râlé sous ça yo vle wè. Yo ka manipuler image là.
pour adapter yo. Gagner tout yon deuxième environnement côté nous connecter à caméra télévision locale yo. Dans yon événement, et ça veut dire que moun qui servi à casque là, joigne pied en temps réel sous ça qui a passé devant yo. Appareil a stimulé cellules photorécepteurs dans le jeu pour permettre moun qui gagne problème jeu. Faire une expérience visuelle qui améliore et puis garder l'événement en temps réel d'après compagnie. Ça t'est juste belle. Moi vraiment t'ai remé ouais cour yo et moi t'ai vraiment remé ouais qui gens moi t'ai juste supporté tout pays yo avec belle bagaille yo ouais que moi ka ouais figure yo très clair et oui moi t'ai très impliqué dans groupe là. Je pouvais suivre les scores sur les tableaux, je pouvais suivre les actions, je pouvais applaudir parce que je comprenais ce qui se passait et j'avais pas besoin effectivement de solliciter quelqu'un à côté de moi pour me dire ben voilà, il se passe ça, il se passe ça. Compagnie qui pas là pour faire bénéfice là, des dimensions là, c'est pour établir un nouveau standard accès pour sport et amusement pour un pays général et puis accessible pour monde qui a pas de vision. Le yo craser barrière yo et puis améliorer indépendance yo. C'est là nous mettez fin dans programme non pas oublier à 9h tapant pour traduction en créole débat à soir. Bonsoir tout le monde. Et désir bataille là qui mélanger comme ça gambaille pour qu'on est bien. Capeté a décidé ou yo ta voyer aller soit ministre des affaires étrangères Dominique Dupuy ou dis-moi ce que et ambassadeur Haïti des Nations Unies, monsieur Antonio Rodrigue. Et ça, c'est un gros point qui mettait gros division et gros bataille dans mi-temps et gouvernement et puis KPT1. Désir Venesse. Laissez-moi dire, mon frère, gain en pile stratégie là. Gain en pile et stratégie que Edgar Leblanc fils a metté dans moment pour que c'est lui-même qui était dans tête conseil présidentiel transition. Et ça a commencé vraiment à mettre de gros divisions, de gros bouches l'ouvrir entre conseillers qui galvini dans la présidence de notre conseil là, pour nous parler bien de Smith Augustin, pour nous parler de Leslie Voltaire, pour nous parler de Louis-Gérald Gilles. Et question posée là des Ivenes, on est un conflit Alphonse Jean. Monsieur besoin que là, une fois que rapport ULCC a sorti et trois nexa ont impliqué, des frais montagés que nexa ont épreuve qui n'est impliqué, demander l'argent, c'est mettre trois nexa au sous-côté et qui te reste conseil là, lui-même il fonctionner. Et Kounia l'a dit, est-ce que si effectivement, ça m'y était en note, yo ta jwenn que trois nexa ont ta coupable, demander l'argent, est-ce que conseil là pas ta dwe tout crasser? Ah oui! Est-ce que si vous avez joué trois necks au coupable, demandez l'argent, est-ce que conseil n'a pas droit tout crassé Désir Venesse? Est-ce que ne pas sous là, mon frère, pour nous jouer que c'est un gars iconi qui lui-même prend gérer le pays, hein, parce que conseil a risqué crasé en miettes morceau. Ça veut dire, nous risquons de jouer un gars iconi qui prend le tourner un Ariel Henry, qui en maître seigneur dans tête gouvernement pays, hein, dans tête pays en Désir Venesse. La situation de Gary Conny, venir en mettre, la paraît très difficile parce que, ouais, après sortir Edgar Leblanc fils dans les Nations Unies, après un discours qui en pile monde et témoigné, en pile monde apprécié, bravo qui est là-dedans, mais on a regardé de retour, il pratiquement a porté une autre sensation, il a porté une autre vision. Depuis l'époque où Edgar Leblanc fils était déplacé pour les États-Unis, ou t'as à l'État New York participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, ou t'as qui quantité de contrats qui t'a gagné? Département d'État américain t'a dit que il t'est paraît très difficile pour t'assurer sécurité, c'est par la suite que t'as essayé de garder question. Songez que Leslie Voltaire, représentant la Valas, dans le Conseil présidentiel transition, lui t'a déjà annoncé de la personne. De retour en Haïti, a une tête qui a coupé. Si une tête qui a coupé, tête qui a ce qu'elle a pris. Sans nous, y'a regardé dans la diplomatie haïtienne, non? Parce que c'est diplomatie qui planifie venir ensemble ça et recevoir et pour 79e. C'est eux-mêmes qui fait mise en train Blaise Peterson. Ça veut dire je veux dire nous risquer à nos pays sortir d'une crise et rentrer dans une autre crise si pas gagner bon genre compromis qui garder ensemble acteurs qui pratiquement et notre transition politique là. Quelle était dans la primature, quelle était la présidence, il y a besoin faire un dépassement de soi Blaise Peterson pour mettre Haïti avant. Si c'est pas ça, ben c'est ça nous fait qu'on ait des situations qui extrêmement difficiles et je veux dire un pays n'a pas fonctionné.
quelle était la présidence, quelle était la primature, yo t'a de mettre accent sur ça. Parce que Blaise, si c'est pas avion ou hélicoptère, on monde qui a sorti dans le département de l'Antibonite, si n'a gardé dans cadre général, on monde qui a sorti dans Grand Nord, c'est un peu le risque qu'il prend pour prendre route nationale pour le traverser pour rentrer dans la capitale pays à Port-au-Prince. Pas oublier, majorité ville de province, commune, yo connecté avec Port-au-Prince. Yo gen tradition échange entre yo, ville province côté par Port-au-Prince et ville province prend Port-au-Prince pour yo ville écouler dans ville de province. Malheureusement, c'est pas ça que yo essaie d'entre qui a planifié. OK? Combien fois qu'on gen caillou ou qui ces monde qui a sorti l'autre côté pour venir mettre l'autre dedans. Pour d'ailleurs depuis nan vini conseil présidentiel transition, premier bagage qui ont fait, c'était d'accord avec CARICOM pour te dire oui que ont d'accord pour yon mission étrangère venir dans pays. On garde évaluation, on fait évaluation pendant conseil sécurité Nations Unies décidé prolonger pour yon l'année encore et mandat MSS dans pays. Il a pratiquement gagné aux environ 2 à 3 mois depuis déploiement commencé fait dans pays à Blessesson. Si on essaie de contrôler qui ça ouais qui bail comme résultat concret, est-ce que au monde qui a quitté Port-au-Prince pour rentrer à Tibonite, est-ce que au monde qui a quitté Port-au-Prince pour rentrer et dans le grand sud pays a, et nous connaît qui ça zone ça pratiquement côté et pour pays a, et nous tout le temps dit ça avec amis et internautes qui gardaient attendaient pour connait que majorité et ça qui vient pour avec économie pays a les chita dans les formels et même Blaise Peterson c'est Kounia qui pral gain causer. Est-ce que c'est madame Dominique Dupuy yo pral sanctionner, yo pral retirer parce que corps groupe là déjà prend position. Corps groupe prend position selon information. Corps groupe d'accord pour ta retirer docteur Gariconi dans tête primature là. Qui est-ce que yo pral mettre et yo fait penser pour ta remplacer par un autre monde qui pratiquement dans gouvernement qui inspire au confiance que yo senti qui cabine faire job là bien. Mais Kounia faire job là bien pour qui est-ce que c'est dans l'intérêt de la République d'Haïti. Je dis en bonne situation, nous chargez moun. Moun yo chargé capacité. Moun yo konn li, mais l'état a des problèmes avec moun ki konn li ki intègre. C'est ça fait que wap wè depuis vini madame Dominique Dupuy et dans diplomatie haïtienne nan, li pratiquement bagou ki cassé. Li gen ti couleur et puis li formé et li représenté Haïti correctement nan diplomatie. Et réponse diplomatique yo, yo chita, yo cadré. C'est pas passé donc pour garder. Bonne situation. Pays d'Haïti trouvait le non situation de guerre. Trouvait le vraiment non situation de guerre. Nations Unies parlait débloquer l'argent qui était promis. 193 pays, Chita, ont adopté et résolution 2699 qui permettent que mission cap rentrer en Haïti. Mm-hmm. Ben, jusqu'à présent, on va attendre, c'est les États-Unis qui pratiquement débloqué aux environ 300 millions de dollars. Elle l'a annoncé. On l'a 140 millions de dollars. Pour supporter mission qui permettre que sécurité rétablie en dedans pays. Mais tout ça c'est pour la galerie parce que nèg connaît qui ça pour faire pour résoudre problème là. Et moi-même moi apprécier jodi en situation. Là où est plus passé 60 parlementaires américains yo entendu pour yo mandé administration Biden prendre responsabilité qui ca permettre au moins que stopper marché qui permettre que armes illégales rentrent dans pays, empêcher cartouche cap rentrer dans pays, ça au moins changer donner la permettre au moins que peuple haïtien prévoit et ouais côté sécurité à cap sorti. Pour en garder Blaise Peterson. Non ensemble définition, non ensemble position qui a passé donc regardez là yo. 7 octobre qui vient là. Li c'est yon date important. Date fatidique, important pour conseil. Très important. Blaise Peterson. Pour abni conseil là. Qui côté le pral menen? Est-ce qu'elle pral menen dans yon conseil qui continue pas respecter ça écrit parce que pas oublier accord politique 3 avril 2024 là, c'était yo qui t'ai entendre entre yo. Yo te voter le bac. Il va jamais biblier le tout non? Il va pas jamais nous en détail tout non? Il faut dire bagarre là tout. Non, mais c'est ça. Il a joué, il a vu sous peuple haïtien. Et après majorité moun yo d'accord. Ou par contre qui ça qui encore 3 avril 2024 là. Qui c'est nous t'a dit c'est une autre constitution, constitution de fonctionnement, conseil présidentiel transition. D'ailleurs, il pas constitutionnel. C'est à travers et à quoi il gagne comme guide. Dès le début, il était violé. Et nous d'accord violé. Nous même comme peuple nous d'accord qu'il violé. Si tu es d'accord dès le commencement de te violer, eh bien, Kounia n'a continué dans violation. Et violation, et qui côté répercussion, c'est pour peuple haïtien. Yo dit ou envoisiné 12 à 13 millions habitants. Bon, par contre, depuis qu'il est recensement fait. OK? Depuis 2003. Combien fois, Blaise Peterson, que ouais, en dedans pays d'Haïti, 9 organisations politiques, 9 partis politiques, collés tête ensemble. Pour yon prendre une décision et puis
Bon, m'pas même dit parti politique. On prend exemple là et conseil municipal yo. La mairie, yo ke trois membres. Yo fait campagne ensemble. Après élection, yo fini élu. Et bien yo tout gen yon maire titulaire. À partir de là, bataille a commencé. Yon seul qui presse gen droit signature sur tout bagay. Je te sais ça, et qu'a privé dans le conseil présidentiel 9 membres là. Ou pas qui quantité bataille qui te gen, et information fait quoi? Smith Augustin te envie aller dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Semble que visa monsieur révoqué, selon information qui fuit et qui sorti, la situation. Nous devons poser question. Parce que c'est 9 présidents qui viennent là. Nous devons toujours connaître ça. Tout le monde qui fait partie du conseil présidentiel de transition, il fait un seul serment, la situation. Il fait un seul serment. C'est 9 présidents qui nous gagnent. Kounye, est-ce que nous avons une préférence? L'infini est là, et préférence que nous avons qui côté nous avons. Pierre Espérance, l'homme, information, la situation. Lui déjà dit, il y a toute preuve qui montrait que docteur Louis Gérald Gilles, malheureusement. Moi-même, ça me dérange. L'homme garde un seul de monde qui formé, pour quelle que soit la raison, qui arrive dans l'administration publique, qui a dû serviteur pour venir servir la République, et pour y plonger dans ce bagage ville, dans ce bagage, et dans quel âge? Quel âge que vous avez? À qui fait? Que vous rentrez dans la pratique, ça, personne ne connaît. Bon, selon bien l'expérience, il y a une preuve qui pratiquement montre que Dr. Louis Gérald Gilles il n'y a pas de responsabilité dans la question scandale et qui est liée avec BNC, question BNCA. Parce que songez Raoul et Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration, ils ont demandé pour le bail 100 millions de gouttes pour le Kembel la poste. Et nous avons l'autre tac qui n'a pas avancé. Lundi, c'est mardi, disons, c'est réouverture des classes. À travers tout le pays. Est-ce que préparation est faite? Si c'est pour l'État, la situation, si nous avons prêté 100 contre lui, l'État n'a pas trop intérêt pour si nous avons contre lui. Parce qu'il y a plus puisé intérêt dans la délinquance qui est là dans le pays. C'est par sans raison que vous avez c'est nous qui dans le secteur éducatif là, c'est le plus valide. Vous avez professeur presque passé toute année scolaire, surtout ça qui est dans l'État, il y a manifesté. Il y a manifesté pour mauvais traitement qui est là. Et cependant, nek qui dans le gouvernement, les a déplacé, PDM, et puis l'argent. Et il y a dépensé. Et n'est-ce plus quoi dans mon boss? Je veux dire, qui est arrivé dans le moment carnaval, dans le moment rara, ou après quantité d'argent qui a mis dans le budget? On regarde. Professeur, médecin, qui en est dans le pays. Moi-même, je pense que, ouais, à travers le gouvernement, ça, nous avons l'impression, ouais, question médecin, en est dans le pays, il a une valeur extraordinaire. L'hôpital, ou d'après l'autre dimension, parce que chef gouvernement, c'est un médecin. Il y a un conseil présidentiel, et qui a le pouvoir, parce que, pas oublier, Vini, CARICOM, comme médiateur. Accord 21 décembre, c'est initiateur ou bien partie prenante, la situation. Nous devons être clair sur ça. Eh bien, qui ça nous est qui a fait dans le pays? Pas de l'espoir. Parler de insécurité, c'est tout cauchemar qui bloquait la République. Son cauchemar. Depuis que nous avons collé tout, nous avons tout sous horrible, la situation. C'est face avec insécurité. Je veux dire, en pile investisseur, quel est investisseur haïtien? Parce que il y a des gens là qui ont 10, 15, 5, 10 années depuis que vous n'avez pas rentré dans le pays, vous avez investi, vous avez business. Et si vous avez une chance de vivre, vous avez compté des situations très difficiles, vous avez fait face avec faillite. Moi, je crois que les peuples haïtiens ont une responsabilité pour la situation. Ils ont une responsabilité. Pour prendre position et exiger autorité, vous prenez une responsabilité pour permettre que le pays arrive à fonctionner. Discours bel, les a parlé correct, mais qu'on y a, est-ce que ça a dit, c'est lui-même qui a pratiqué, qui a permis que nous sortions dans sa nouvelle situation. Désir, pas oublier que nous avons avec Guy Philippe, tout M. Balé clairement. Et nous avons tout avec un mouvement que l'opposition plurielle a fait jeudi lundi 30 septembre. Non? Et côté que l'opposition plurielle a demandé démission toute équipe qui l'a, quel que soit le TKPT, quel que soit le Gary Kouning, parce que estimé que il n'y a pas réglé en sérieux. Je vais demander ça comme exercice. Et je vais faire ça comme exercice avec Zaminouyo. Entre KPT, conseil présidentiel transition, qui a 9 conseils, 9 présidents, la donne que 3 nous citons dans le scandale corruption. Mettez avec gouvernement qu'on a dirigé. Dim, dans 2 têtes exécutives, ça, la présidence KPT et la primature avec Gary Kouning, qui côté ou même ou campé? Qui est-ce ou voulez? Non, qui est-ce ou quoi? Et qui est-ce ou senti qui voulait faire un bagay au moins pour mettre la paix sécurité dans le pays hein? Et pour que le 7 février 2026, il y ait un pouvoir et légitime qui prête le pays. Hein?
ou dit moi est-ce que c'est l'on même ou dit ni Kapeteyan ni Garikoni la primature c'est même bagala ouyé dit dans commentaire là pour tout camper pour qui soyez et qui sauve les et la fait non bien désir de Ness et sa mère nous yo vraiment des amis yo prend ça prend temps yo pour autant des réflexions analyse que nous allons faire là ouais comment c'est me dit que bataille division entre KPT et puis la primature effectivement des gros goumen entre deux têtes exécutives ça yo la primature et la présidence KPT raison c'est gars puis raison mais m'a pas avancé quelque raison nous sommes une baga qui vient augmenter division ça entre la primature et la présidence entre Garikoni et conseil, bon, c'est depuis un voyage qui se fait récemment là, dans la question des Nations Unies. Parce que un pile expert qui est dans la question de diplomatie, dans le domaine relations internationales, il a trouvé que c'est une humiliation, c'est une fréquence, c'est un dérespectant le fait que Garikoni passe devant. Et pour le décider humilier conseil présidentiel yo dans question délégation qui doit aller te de composer dans question et Nations Unies. C'est vrai que Garikoni montre que pas deux délégations sont ces délégations et il t'est parlé avec et conseiller yo les mêmes là dans délégation mais la fait de réunion bilatérale, la fait de rencontre parallèle, la fait de rencontre sous côté, OK? Mais ça peut-être pas déranger nèg yo mais ça qui vient poser problème non c'est là que les Edgar Leblanc fils préparé pour l'aller service secret États-Unis dit yo pas gain moyen pour sécuriser Edgar Leblanc fils alors Edgar t'a tout pour ou dans mes William Mouto même jour samedi 21 septembre non c'est qu'on est que yo pas ca sécuriser et Edgar Leblanc fils parce que déjà qu'on délégation sécurisée là bagala vin créer problème. C'est n'est pas le dit bagala Jean Lier. Bagala vin créer un problème parce que dans même jour ça Edgar Leblanc fils et Leslie Voltaire nèg yo t'a pralé ensemble. Il t'a tout prendre Willy Blanc ensemble avec et Williams Auto. Dans même jour. Et comme bagala vin passer comme ça, Edgar pour poste président conseil que lié et pour qu'aimer poste président que il connaît lié. Il dit non, et moi-même, il faut avoir une sécurité PAM, il faut avoir une sécurité spéciale qui va venir prendre depuis l'aéroport, accompagner ma SAO. Mais si Edgar, si Edgar a décidé d'aller Blaise sans département d'État, si il n'a pas pris disposition pour te sécuriser, c'est un affront contre la République, il n'est pas correct. Si c'est consacré, il est d'accord que ça fait. Parce que tout chef de l'État, il a pratiquement gagné sécurité, ou même comme président. Pas un petit président, pas un gros président. C'est gens que vous comportez, c'est gens que vous vivez. OK? Même parce que Edgar te prend une bonne décision, l'elle pas décidé lever aller sans au moins département d'État pas rectifier, pas renotifier par rapport avec notification qui vous était bien avant pour te dire yo pas garantie sécurité. Et je dis nous devons chercher qu'on est qui côté cafouillage ça sorti? Qui côté cacophonie ça sorti? Qui est-ce qui propose? Dans quelle intention qu'elle est venue? Est-ce que c'était un coup d'État classique contre le Conseil présidentiel de transition? Mais, Blaise, au compte qui pique le problème qui gagne, c'est parce que Haïti n'a pas jamais dirigé par les Haïtiens. C'est les étrangers qui ont dirigé Haïti. À partir de ça, il y aura une situation au jour le jour. La vie plus difficile, il faut que tu aies ces blancs qui disent mais qui ça pour faire. Nous besoin des hommes et femmes, de caractère, qui ont pris position, qui dit mais qui côté vous voulez aller. Si on arrive là, mais qui côté le cabal résultat, il n'y a pas de personne, il y a déviation de la situation. Quand il y a la même des Ivenes, ça, il vient poser, ça vient poser problème. Et ça vient montrer que, nègre estime, non, je ne sais pas, depuis Vini Koni, depuis le nègre fait choix de Koni comme premier ministre, en plus, c'est un choix imposé, et Koni vient comme super chef, et qui est allé plus loin pour dire que, Koni, c'est boss KPT.
A dit Koni c'est boss KPT. Tu m'as dit. Et puis c'est KPT a choisi Koni. Ah mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça m'a tout. Débat au pile. Mais qui est qui tellement exagéré le comportement gars Koni, je dis je regarde qu'on a comporté là depuis notre premier voyage qu'il t'a fait. Nous songe ça te ben en pile parler en pile jusqu'à ce que KPT a te blâmé gars Koni et pour ça pas répéter encore et mais voilà ça répéter plus mal toujours. Ça Kounia il vient commencer à susciter de gros débats, de gros réactions, de gros positions la caille n'est cap monsieur dame capité. Et l'autre gros humiliation n'est pour pral trouver n'est pas rien devant Koni. Yo c'est toi le caille devant pas porte Koni, c'est l'Estie Voltaire. Prend humiliation pour t'aller rencontrer président Lula et yo dit gars Koni déjà dedans déjà, les pas qu'à rentrer. Monsieur Rivet sont dérespectants. Et monsieur dit que gay tête qui va le couper. Mais Blaise, Gary Koni pas gain responsabilité dans ça parce que c'est pas lui même qui planifie rencontre yo. Exactement. C'est ça que fait ouais et ou sont des bagages qui est important. Allez FM. Et diplomate représentant Haïti à l'état New York, pas vrai? Ou aux États-Unis d'Amérique, les Nations Unies. Les pral pratiquement connaît des situations très difficiles pour porter clarification sur ensemble en compte que la présidence était de participer et puis c'est la primature qui a participé là-dedans. Il va t'a dérangé, non? La prima, tu dégâts tout gagné en compte pas le trouille. Présidence gagné en compte pas le trouille. Il va t'a dérangé, non? Mais Kounia, est-ce que la prima, tu vas monter sur la présidence? Ou dis-moi, est-ce que la prima, tu vas mettre la présidence dehors? Elle dit, c'est ça le mesure qu'on est. Et qui? Non, mais Kounia Blaise, ça nous est d'accord. Et dans le document que nous avons, c'était une rencontre qui était planifiée pour Dr. Gary Koni. Est-ce que la présidence, pratiquement, t'a gagné une correspondance tout, qui te dit que tu es préparé une rencontre pour eux? Moi, je pense que c'est un détail qui est. Moi t'as dit tout non mais moi on sait même document moi tout mais moi un document qui dit que gay des rencontres qui te préparé et non ça c'est pour tes questions pour te sécuriser et gars le bœuf ça c'est tout ça qui est en cacophonie et bagarre la vienne vraiment tourner un micmac ça va ça on se détail ou d'accord même que ça on se détail que oui pour toute autorité qui a dirigé pays ouais ça il va pas quitter arriver à l'étranger. Planification a fait depuis la caille, il a connu qui ça a fait parce que on connaît son pays qui est capable représenter. Et c'est pas n'importe qui pays, c'est Haïti. C'est vrai qu'on paquet d'autres pays à travers le monde là cap garder pays d'Haïti comme un petit pays. C'est modèle comportement que nous gagnons, modèle autorité qui a représenté nous et qui pas de savoir vivre, qui pas de pièce protocole, yo comportement n'importe qui gens, quel que soit côté arrivé. C'est affaire non responsabilité que nous gagnons nous-mêmes comme communicateurs et population qui pratiquement attend de nous, il y a besoin de directionner vers monde qui peut représenter pays là. Parce que les bagages, les officiels là, à le faire, nous ensemble des réunions qu'elle a représenté pays là. C'est nous-mêmes, c'est nous tous qu'elle a l'image. C'est le pays qu'elle a l'image. C'est ça fait qu'elle a besoin de prendre responsabilité pour nous bailler pays à une autre directive. Mais personne, nous pas qu'à entendre, c'est aller chercher un job pour nous faire l'argent. Pour nous faire l'argent tout simplement. Faut que nous arrangeons pour nous entrer dans l'initiative de développer pays là dans tout sens. Non, dit, mais qui côté qu'elle voulait aller? Là, nous, en 2024, nous dit, si nous avons deadline pour nous garder de 2024 pour arriver 2030, mais qui côté nous d'adouer, faut que nous commençons à poser pion. Faut que nous commençons à prendre des responsabilités. Faut que le monde qui pratiquement a subi des décisions qui a pris, il a pratiquement qu'à parler, il a qu'à faire position sous application ensemble des décisions qui a pris en d'un pays. Parce que je veux dire, mon peuple haïtien pratiquement a le droit d'expression tout simplement dans l'élection, malgré qu'il pas respecté l'expression de vote, il n'a pas respecté le choix qu'il a fait en plus de temps. Même parce que le peuple a besoin d'organiser le PPS pour nous sortir dans sa nuit, pour nous voir un autre signal by Blaise Tesson. Autorité doit suspendre dans un petit détail qui a été réglé. C'est même genre dans la famille. Famille qui a un gros problème. Mais si maman en l'est, papa en l'est, lui doit gagner notre simonio qui cabre les papi vous dit papi mon cher ou besoin calmer et c'est ça de fait je dis hein. Parce que nous pratiquement gagner nous dans une situation qu'on n'est pas habitué déjà neuf présidents chaque monde ça pensé que il doit agir pour bénéficier des frimes parce que ça va permettre que structure ou bien parti politique qui gagne qui gagne dans l'élection lui pratiquement fait valeur lui pratiquement joue le monde chercher attention. Son bataille comme ça qu'a fait là. Et après chaque conseil présidentiel, il était souhaité à l'an et 79e Assemblée générale des Nations Unies. Parce que après Leslie Voltaire, il était présenté comme chef délégation dans le premier moment. C'est après, ou pour aller, c'est Edgar qui pratiquement prend commande et délégation. Ouais. Et le désir, l'en dit que
bataille la est-ce que ça fait même nous comprendre ça n'a pas bien oui comprendre ça n'a pas bien ouais j'en a décortiqué le banou mais tout ça y était déjà créé de gros problèmes dans mi-temps monsieur Damio entre KPT entre la présidence conseil et puis Gary Koni et on même pour nous connaître Dominique Dupuis c'est vrai c'est une belle tête belle intellectuelle valablement comme chef diplomatie haïtienne non ça nous pas qu'à douter de compétence très jeune et puis son femme encore yeah. Mais fans au bagage tout Dominique Dupuis c'est un super chef dans le gouvernement et pas dans le pouvoir pas pour qu'il soit disablaise ah bon premièrement c'est intellectuellement son monde qui pas gagne débat sur ça pas gagne d'autre sur ça deuxièmement il y a de gros bras de banane. Et il y a un gros bras de banane, c'est Gary Koni. Et même bras qui est Gary Koni dans l'international, c'est même bras ça qui est derrière Dominique Dupuis. Elle dit, si yo lage Gary Koni, il y a lage Dominique Dupuis. Et si yo lage Dominique Dupuis, il y a lage Gary Koni. Et c'est ça qui crée gros palais en pile dans la séance de travail gouvernement aujourd'hui. Alors, et conseiller aujourd'hui, là, je ne sais pas lundi. Parce que débat en fait, question à poser, en Dominique Dupuis, comme ministre des Affaires étrangères, et Antonio Rodrigue, qui est-ce qui doit évoquer? Et mes côtés bagala bloqué. Mes côtés bagala bloqué des Ivenes. Oui, parce que l'autorité de plus intelligente n'a pas rentré dans le courant de révocation. Il ne peut pas être très laid devant l'Union internationale, la Blaise Desson. Il y a Antonio, il y a Chita pour montrer qu'il est capable. L'offre porte un discours. Kishita sous aspect droit de l'homme. Parce que Ralé, Jean-Jacques Dessalines, comme moun qui te bataille pour te permettre que droit universel lui te respecte. Ce n'est pas droit blanc, mais c'est droit tout le monde à travers le monde. Koun y a, on essaie donc, regardez. Le wap pote ensemble discours sa yo, ou pas moun qui pour entendre, pour entrer dans le détail, qui cap pote et division. Parce que division, je dis, il n'y a pas intérêt pays. Bon. Dès le début, nous étions déjà ouais, l'étape difficile dans la dimension que monde, dans la façon que monde s'est venu, pour être venu changer les choses. En pile fois, pour voir les transitions, les personnes, ils ont toujours porté catastrophe. Et seul monde qui a retiré est Pascal Trouillot, en tant que femme, qui a pris la responsabilité. Et femme avec valeur, ça y est, n'est qu'une politique, on est dans le pays, a toujours payé. C'est ça que nous-mêmes, comme garçons, tout. Nous besoin appuyer chaque fois que nous jouons des trois graines, parce que mesdames, nous peut intégrer. Dans la décision politique dans le pays. Depuis c'est politique, mesdames, vous dites, il n'y a pas de bagarre comme ça parce que la politique en Haïti, c'est bagarre messale, n'est qu'une corruption, n'est qu'une crime, il n'y a pas de rentrer dans la bagarre comme ça. Les jeunes au monde qui formule. Blaise, nous ne connais pas si vous suivez la diplomatie haïtienne depuis un bon bout de temps. Mais présentement, avec Mme Dominique Dupuis, qui t'a fait, sous le jour, rentrer parmi le patrimoine dans l'UNESCO. Dans l'UNESCO. Il te fait un travail extraordinaire. Elle montrait qu'elle compte ça la faire. Vinil, notre diplomatie haïtienne, elle commence à changer d'onion. Elle commence à porter une autre attention, permettre que ensemble pays qui n'a traité avec eux, ils veulent comprendre que Haïti, son pays, même gens avec eux, les a traité, mais qui gens qui ont dû traiter avec. Puis, gros tac, que Mme Dominique Dupuis baille, qui annonce quelque chose, c'est République Dominicaine. Dans l'investiture, Luis Abinadel, ensemble frontière entre Haïti avec République Dominicaine, ligne aérienne bloquée pratiquement pour les passagers, et puis il y a créé couloir spécial pour les diplomates. Ben, Madame Dominique Dupuis, t'es tranché. Il t'a dit si, peuple haïtien, pas qu'à voyager même genre avec eux pour aller en République Dominicaine, il n'y a même pas rentré dans ça. Il y a un pilier qui t'a pris un temps, et ça a bien des conséquences. Parce que, en pile dans les gueules de la personne, il a dirigé Haïti, mais ce n'est pas pour Haïti qu'il a dirigé. Il a dirigé pour l'étranger. Et il faut regarder notre dernier moment, la relation que l'autorité dominicaine, Luis Abinadel, a développé avec l'Occident, qui pratiquement représentait une grosse menace pour le pays d'Haïti. Et le monde a besoin de faire des compromis. Si pour nous sortir dans sa nia, ça va permettre que nous sortions là-dedans, c'est si vous voulez, Blaise. Exactement. Ça veut dire des Ibenes, et nous qui avons dit que les Ibenes, Bayala Mangoumé là, il vraiment Mangoumé entre la primature et l'exécutif. Et l'aime dit la primature et la présidence, pardon. Exécutif avait des mêmes bagala. Mais je dis, et on dit bien, qu'on a un regard de bagala logiquement.
Rapport ULCC, il n'est pas loin sorti. Selon ça que nous apprenons. Et ça encore, la fragiliser conseil. La fragiliser conseil présidentiel. Et la mette Gaï Koni avec toute équipe en pied à l'aise. Et gros bagam nous pas connait là tout. Gon bataille de gros organismes internationaux qui a fait là tout. Gon bataille de gros organismes internationaux qui a fait là. Entre CARICOM, qui lui même Banou KPT1 et à la fois Koni et Kogou. Parce que pas oublier Kogou, là il était Banou Ariel. Kogou pas vu. Kon group li même tout, je dis à kon group de yon. Kon group de yon, nan pouvoir ki la, c'est carré comme kap gade kap pouve kol la. Et bien ça veut dire que, bataille lan, li pas seulement un bataille entre acteurs haïtiens nou yo, entre la primature et la présidence, mais son bataille tout entre des gros organismes internationaux. Et kounya, à qui profite tout ça yo? Est-ce que peuple haïtien lycée pral le plus gros bénéficiaire ou dis-moi est-ce que ma connais ça pral aller mais dans ça m'a regardé dans ça m'a observé peuple haïtien lycée plus gros victime parce que en sérieux KPT a déjà 5 mois 25 avril à 25 septembre déjà bal 5 mois qui s'habille là oui. Même on dit qui sa bilan KPTI. Qui sa bilan conseil présidentiel nan yé nan GPOP. Le monde qui a regardé au cap c'est corruption parce que il a regardé 18 mai que les bagages qui passaient chaque nèg débloqué volume l'argent ou yo fait activité en catimini et côté yo ignoré espace côté t'a dû faire 18 mai qui c'est à Kayer et par la suite lorsque gros scandale ça la situation qui vient mettre conseil présidentiel transition dans difficulté totale de fonctionnement parce que loin que 3 membres qui pratiquement est gen non yo. OK? Impliqué dans scandale corruption. Ou besoin nan conseil qui gen 9 membres, c'est 7 là qui gen droit de vote. Chaque décision yo, yo besoin joine majorité à travers 7 là. OK? Et 3 moun sa yo qui pratiquement dans scandale corruption, yo fait partie de 7 moun qui gen droit de vote là. Ou après, il était automatiquement bloqué toute initiative et toute décision. Que gouvernement à travers conseil présidentiel là t'a dû impliquer et prendre et ça permet que docteur Gaï Koni te prend paquet ben sonego conseil de monde qui t'a dû nommer et c'est à la présidence qui t'a dû nommer selon la constitution malgré n'est pas constitutionnel mais ensemble des décisions qui a prend yo aller vers la constitution. OK, et jusqu'à présent où est que l'autre 6 membres qui dans conseil là yo très prudent je parle fixer position du conseil vert qui a joué parce que si 3 nèg ça tombe en seul coup, si yon pas arrangé ou bien rapide, puis yon gen tan chita sur un compromis ou en tête, c'est tout conseil à cap tombe. Parce que c'est un bloc qui était monté à tomber en bloc. Kounya, bataille à l'élancer. L'élancer dans mi-temps, secteur à organisation qui te voué moun sa yo. Parce que si vous avez gardé, aidé, li déjà liquidé Smith Augustin. OK? Red avec compromis historique, yon dit non, yon pas plagé Smith Augustin en route. Si vous avez gardé accord 21 décembre qui dirigeait en plusieurs groupes, parce que il y a majoritaire, il y a minoritaire. Groupe minoritaire dit, yo même, yo pas chita dans la question et docteur Louis Gérald Gilles, yo liquide déjà. Pour d'ailleurs, déjà mettre sous table là, vous croyez que c'est Vicar gagné, et vous mettez sous table là tout, Marjorie Michel. Bon, comme pays d'Haïti, tout est possible. OK? Yo ka gratifié Marjorie Michel, on l'autre bagarre encore. Après tout scandale et toute position qu'elle prend, et en pile monde d'a capté témoigner, dit qu'il mène le pays à côté de là. Bon, peuple haïtien remet ça. Yo ka retourner là-dedans encore. Et depuis les scandales corruption, KPT a déjà pas fonctionné. Et annonce qui montre mieux s'entendre entre la primature avec la présidence, c'est depuis les nous songe docteur Gaï Koni tal Washington, il t'a participé dans un rencontre qui était un aspect diplomatique. Conseil présidentiel, yo était clair sur ça. Yo était écrit PM là pour yo était rectifier pour être sur conseil passé n'est pas des positions que on prend là songer c'est premier ministre que vous êtes ou pas président c'est parce qu'on pas respecter nous mais qu'on y a connu à jouer sous base d'intelligence par rapport avec connexion qu'il gagne relation avec communauté internationale là
Parce qu'on est qui fait 12 ans, ou bien 13 ans,